Et je vais suivre là, nous exactement au niveau de commune Carrefour, nous permettre de suivre en image comment commune Carrefour les mêmes liés dans la mi-temps journée. Ça, c'est une mi-temps journée et qui est sous tension côté la rue en lui-même barricadé en pile caoutchouc boulé et parents eux-mêmes ils courent à chercher puisque l'école doit suivre là c'est un embouteillage et tête chargée là et n'a pas mettre tout garder comment situation commune Carrefour et les mêmes liés nous on a parlé ce matin là et c'est un peu mon cap courir à chercher puisque l'école et c'est pour ça et situation lui-même est vraiment compliquée non moment n'a pas lancé ma voilà là et commune Carrefour lui-même ni sous tension situation est vraiment difficile non le n'a pas lancé ma voilà là et c'est une commune qui lève et Aldo qui prend une dimension de mi-temps journée une tension qui développe là je vais suivre là et route principale commune Carrefour en pile caoutchouc boulé en pile parent à courir chercher tout le monde l'école. Si nous connaissons la question insécurité qui est dans le pays d'Haïti et côté la situation est vraiment difficile. Nous avons permis de garder et nous avons même cap pour nous chercher des de l'école. Gardien là nous au niveau de commune Carrefour n'a montré comment et sur les banques commune Carrefour les mêmes qui gétant et fermé porte li bien que yo pas l'ouvre banque bonheur ça aussi et mais à cause de cette tension ça cap développé dans commune Carrefour et banque commerce lui même yo fermé porte divers business tout le monde et a courir dans la caillou après et tension ça les mêmes qui éclaté dans mi-temps journée commune Carrefour pour lundi 11 mars 2024 ans. Thank you.
fatigué entre messieurs et personnalités politiques qui ne peuvent pas unir. Donc nous même je dis à l'ANOCOC, coalition des organisations de Carrefour, et le nom ils ont ensemble, et bien militants, jeunes garçons en Haïti, soi-disant ils ont été marginalisés pour dire que et bien, c'est malfaiteur, c'est bandit, c'est kidnappé, c'est des hommes armés, qui ont même voyé un signal clair et ils ont montré consciemment que on voulait, nous mêmes Haïtiens, nous mettre tête ensemble pour nous capables de combler ensemble des vides saoudiennes, que ce soit vides institutionnelles ou bien vides constitutionnelles. C'est pour ça nous-mêmes dans la commune Carrefour, nous décidons de protester nous-mêmes, nous levons comme Jodia, et pas seulement Jodia, nous devons hier, Jodia nous là, et nous continuons là pour nous mobiliser sur les troncs jusqu'à ce que nous venions une position de Suisse pour nous capables de priver, et bien avec un gouvernement bicéphale, à savoir le président, tiré de la Cour de cassation et un premier ministre, position de Suisse. C'est mis en population à Sibi, à ma gouvernement, c'est pas tout ça. Je dis à mon Carrefour, nous lever camper contre l'insécurité, contre le coup de la biche, qui fait un deux jours là. Et la première avec tout gouvernement, de sa coup Ariel là. Nous faisons une jambe pour dégager bio, pour nous territoire, pour nous pays, pour nous vivre, pour nous pas vivre. Depuis 10 ans, après le jour de la finale, les gens qui mettent nos coups. Les gens empêchent nous vivre, Valérie a pris des cailloux, ils ne vont pas bon. Nous ne pouvons pas compter. Je dis, c'est un bâton. Dans la rue, Valérie a mal à ses abdomen. Ils ne peuvent pas manger. Je dis à nous demander, avec le ministre, directeur général, la chèche qu'on peut donner, essentiellement, ça qui est le chic de l'Anne Michel là. La chèche qu'on peut faire ministre, pour nous faire un cailloux, pour nous faire un cailloux, pour nous faire est-ce qu'on peut faire ce bâton? On va marcher, on va rentrer de côté. Aïe, là, on va faire, on va marcher, on va rentrer de côté. Nous sommes criminels, 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 nous sommes criminels,